Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, nous parlerons de foi et de raison. C'est une question désormais classique, elle est cruciale. Nous en parlerons aujourd'hui dans un contexte islamique et nous avons la joie de l'aborder avec le professeur Mohamed Al-Koun. Mohamed Al-Koun, bienvenue. Merci, heureux de retrouver ce lieu que je connais bien. Et merci de nous faire l'amitié de venir et de nous donner de votre temps. Alors, vous êtes historien de la pensée islamique, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et vous êtes auteur de nombreux ouvrages qui traitent de cette question de l'islamologie en général, des liens entre la foi et la raison et la foi, puisque pour vous, ce n'est pas toujours dans le même sens, et surtout, vous tenez à parler des aspects éthiques de l'humanisme et de ses liens avec l'islam. Avant d'aborder le sujet avec vous, je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce sujet. Regardez. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis, lis au nom de ton Seigneur. Cette première injonction coranique rappelle que la révélation a été placée d'emblée sous le signe de la connaissance et du savoir. Très tôt, les savants et les exégètes musulmans ont mis en pratique ce verset et commencé à soumettre les textes à la réflexion et à la raison. La pensée musulmane s'est construite dans cette relation intime entre la pensée et le texte révélé. Une confrontation où la certitude et le doute se conjuguent pour faire rimer perfection divine et réalité terrestre. Un voyage au cœur du questionnement humain qui nourrira à jamais la spiritualité musulmane. Mohamed Al-Koun, le sujet a commencé par le verset coranique connu qui est une injonction à la connaissance, à la récitation, à la lecture. Mais il ne s'agit pas que d'une simple récitation, mais il s'agit aussi de faire exercer son entendement et d'exercer sa raison. Oui, alors si vous permettez, je commencerai par faire une remarque sur ce début, sur cette introduction. Vous avez signalé que je suis un historien. C'est une introduction religieuse qui relève de la croyance. Pour l'historien, la croyance est une construction sociale progressive au cours de l'histoire. Évidemment, ça heurte directement le dogme qui dit que Yahdi min yasha wa yudhillu min yasha. Dieu donne la foi à qui il veut et ne la donne pas à qui il veut. Ou du moins, il le guide dans son droit chemin. Alors, l'historien ne rejette pas cette opposition, mais il se fait un devoir de l'analyser. On ne peut pas la laisser ainsi, à l'état brut, continuer de fonctionner au détriment de l'intelligibilité de la foi, c'est-à-dire des contenus qu'on met dans la foi. Comment la foi se construit? C'est un processus. La foi islamique à Médine au temps du prophète n'a pas du tout les mêmes contenus et les mêmes fonctions que la foi des musulmans au Xe siècle à Bagdad ou à Kairouan ou à Cordoue. Qu'est-ce qui a pu évoluer? Parce que c'est la doctrine qui évolue. Ce sont les doctrinaires qui définissent la foi. Et les doctrinaires, on les appelle des acteurs sociaux. Ce ne sont pas nécessairement des croyants.
Les sociologues parlent d'acteurs sociaux parce que c'est un terme neutre. Tandis que si je m'agrippe dès le début aux croyants, je vais écouter une version qui ne respecte pas l'histoire, justement, de la formation progressive de la foi et des changements des contenus de la foi que subit toute foi et dans toutes les religions. Ce que je dis, bien sûr, s'applique à toutes les religions, à toutes les formes de la foi. D'une manière générale, ce processus est-il comparable ou visible dans les fois monothéistes ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, je vais vous donner un exemple qui est très clair. Et l'exemple est très fort et très significatif. C'est la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ben, la profession de foi. C'est ce qui engage le musulman. C'est ainsi, c'est un rite de passage. En prononçant, est-ce que vous voulez le traduire, professeur? Oui. Il n'y a de divinité qu'Allah. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah, l'unique, évidemment. Ça, c'est la première partie de la shahada. La deuxième est Muhammad est l'envoyé de Dieu. Que fait l'historien devant ces deux énoncés? L'historien dit que ces deux formules prononcées au Hijaz, au début du 7e siècle, est une subversion du panthéon arabe qui fonctionnait depuis des siècles au Hijaz. C'est l'effacement du polythéisme, qui était la religion. Le polythéisme est une religion pour les anthropologues. Et donc c'est un acte subversif, c'est-à-dire qu'on efface une religion pour la remplacé par une autre forme de religion. Ça, c'est la première partie qui s'adresse au polythéisme, qui étaient les opposants les plus forts, justement, à la nouvelle religion, à l'islam naissant. Et la deuxième partie concerne les Ahl al-Kitab, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens. Il y avait des Juifs et des chrétiens à Médine. Donc, nous sommes dans une société vivante. Simplement, professeur Harkoun, si vous voulez traduire Ahl al-Kitab pour les téléspectateurs. Ahl al-Kitab, oui, je m'excuse. Je sais, Ahl al-Kitab, c'est les peuples du livre, les peuples qui ont reçu le livre, la Bible et les évangiles, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, qui étaient là depuis longtemps, les Juifs depuis des siècles et des siècles, et les chrétiens depuis seulement 6 siècles, quand l'islam va faire entendre sa voix au Hijaz et va ensuite la répandre dans tout l'espace méditerranéen. Ce qui est important ici, c'est de considérer le sens de ce que nous prononçons au nom de la foi par rapport à sa genèse dans l'histoire. Nous avons donc ici la nécessité de confronter les deux religions qui vont se battre, et elles se sont battues. On a dû recourir à la violence. La sourate 9 explique ça de manière très explicite. Pourquoi recourir ainsi à l'histoire pour réfléchir sur la foi? C'est pour analyser justement le sens véritable et les fonctions véritables de la religion. Donc la foi n'est pas un donné, c'est une construction. C'est une construction qui change à travers l'histoire. C'est ça qui est le plus important. Et nier cela, c'est se mentir à soi-même. Et donc ne rien comprendre à la foi. Dans les deux autres traditions religieuses, les questions d'opposition, de corrélation, d'intrication. Justement, quand je dis Muhammad Rasulullah, Muhammad est l'envoyé de Dieu, je bouscule des siècles de prophétisme. Je bouscule des siècles de prophétisme avec l'histoire du judaïsme. Je crée donc une situation de conflit. Et on bouscule tout le Proche-Orient.
toutes les religions du Proche-Orient. Ce n'est pas seulement ce qui se passe au Hijaz pour les polythéistes. Déjà, c'est important de subvertir sa propre société. Et donc, le fait de comprendre qu'il y a des rapports de force politiques qui vont s'engager et des rapports de force sociaux qui vont s'engager et des conséquences culturelles et intellectuelles massives. Ça, et tout cela, nous le mettons de côté. Tout cela, nous l'ignorons et nous poursuivons le même chemin sans jamais nous poser les significations et les conséquences historiques de cette double subversion du phénomène religieux par l'émergence d'une nouvelle religion. Mais ceci, c'est à travers l'histoire, les questions qu'on ne se pose plus. Mais du temps du prophète lui-même, cette subversion dont vous parlez a-t-elle donné à des débats entre les primo-musulmans? Mais bien entendu, le Coran en est plein. Le Coran en est plein. « Inna ma hiya asatir ul-awwalin » lui répondent, par exemple. – Ce sont des mythes des anciens. – Ce sont des récits anciens que nous avons déjà entendus, ce que tu nous dis. Les polythéistes s'adressant à Mohammed. Encore une fois, j'insiste ici sur le fait que la raison a quitté la foi islamique depuis longtemps. Alors que l'islam, pour ça je suis d'accord avec l'introduction, à Basra et à Koufa, les deux premières cités fondées par les musulmans en Irak actuel, il y avait une effervescence intellectuelle qui était dirigée sur la raison, sur le primat de la raison, qui va interroger la foi et qui va débattre des contenus de la foi. Quels sont les contenus que je vais accepter d'introduire de la foi et quels sont les contenus que je ne vais pas introduire? Et ça, c'est la raison qui fait la décision et non pas la foi. Parce que la foi, c'est la conscience affective. Ça touche à la partie affective de l'être humain et non pas à la partie raisonnante et raisonnable de l'être humain. Et donc, il y a là danger de séparation, alors, tout le temps. – Professeur Harkoun, l'émergence de la foi, quel que soit le contexte, bouscule les données et les données rationnelles. – Jésus de Nazareth a fait la même chose à l'intérieur de la synagogue. – Et la révélation sinaïtique ?– Et la révélation sinaïtique, c'est par rapport aux religions qui étaient nombreuses en Égypte, en Syrie, en Irak, en Mésopotamie. Le Proche-Orient est plein de religions. L'histoire des panthéons au pluriel dans le Proche-Orient est considérable. Il nous faut la connaître. D'autant plus que nous avons pris à ces religions-là beaucoup de récits que nous utilisons dans notre propre construction de la foi islamique. C'est bon de savoir tout cela et d'éclairer tout cela, au lieu de fermer toutes les portes et de répéter des rituels qui sont dénués et vidés de la substance historique des sociétés, c'est-à-dire des hommes. Ben justement, ça nous allons le voir dans le sujet qui suit, professeur Harkoun, ça retrace certaines grandes figures emblématiques qui avaient laissé place à la raison. Oui. Regardez, oui. S'il vous plaît, nous en parlerons après. Il y a un autre sujet. De grandes figures des mondes scientifiques, théologiques et philosophiques ont été les précurseurs du courant rationaliste en islam. À travers leurs expériences, leurs recherches ou leurs pensées, ils ont contribué à la fois à la réflexion sur le monde manifesté et sur le rapport de l'être humain à son créateur. Le prophète a dit: recherchez la science, jusqu'en Chine s'il le faut, car la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Ce hadith a nourri l'âge d'or de la connaissance et de la science
dans la civilisation islamique. Une civilisation de la raison qui a permis au monde musulman de contribuer durant plusieurs siècles au progrès de l'humanité. La médecine, l'astronomie, les mathématiques, mais aussi la philosophie, la sociologie, la théologie et la mystique, tous les domaines du savoir ont été abordés par ces chercheurs de Dieu qui ont dédié leur vie à la connaissance. Mohamed Al-Koun, à travers l'histoire, il y a eu aussi des courants rationalistes oui, en contexte islamique. Oui, justement, il y a longtemps, c'est en 84 que j'ai publié mon premier livre qui s'appelle « Critique de la raison islamique ». Ça veut dire une critique historique, les étapes de la raison, les changements de la raison, les diverses rationalités que produit la raison dans une culture. Il faut le connaître. La raison n'est pas quelque chose qui fonctionne éternellement de la même façon. Ça n'est pas l'intellect du Moyen-Âge qui communiquait avec le ciel. Et là aussi, les références que nous faisons à ce moment effectivement fructueux, dynamique, indéniablement, ne servent à rien aujourd'hui. Car la raison médiévale est devenue obsolète intellectuellement, obsolète scientifiquement, obsolète spirituellement même. Et par conséquent, on a fait autre chose depuis le XVIe siècle. Est-ce qu'il y a eu le christianisme ? L'obsolescence, elle est due en quoi ? Pourquoi c'est devenu désuet et caduque ? Parce que les conditions sociales d'accueil fait à la raison. À Bagdad, à Ispahan, à Shiraz, au Caire, à Cordoue, dans les grandes cités musulmanes du Haut Moyen-Âge, ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire du 7e au 12e siècle. Les cadres sociaux de la connaissance et pratiquaient ce qu'on appelait l'adab, c'est-à-dire l'apprentissage de l'humanisme. Et donc, elles étaient favorables à la raison, elles soutenaient les courants rationalistes, et elles en voulaient, et la société avait une dynamique orientée vers l'appui sur la raison, concernant même l'étude et la signification, et les significations de la religion. Mais ces choses-là vont disparaître. Qu'est-ce qui soutenait l'adab, l'humanisme, les courants miskawé ? Les classes marchandes. Les classes marchandes qui étaient très fortes. Il y avait le grand commerce arabe par l'océan Indien qui avait enrichi les cités musulmanes. Et le mécénat des émirs. Et les marchands, ce sont des gens éclairés. Ils savent compter, ils savent réfléchir, ils savent, etc. C'est comme la bourgeoisie en Europe. Seulement ici, c'est une classe de marchands modeste, tandis qu'en Europe, c'est une classe vraiment très forte et qui a changé l'histoire. Et ceci a eu une influence aussi et sur la compréhension de la foi. La disparition de ces classes sociales, ça s'appelle en sociologie les cadres sociaux de la connaissance. Les cadres sociaux qui font vivre la connaissance. Quand ces cadres disparaissent, comme ils disparaissent aujourd'hui, dans toutes les sociétés musulmanes, voilà pourquoi la foi musulmane aujourd'hui est vidée de tout contenu spirituellement respectable. Je dis ça, c'est très fort. Non, mais il faut parfois secouer. Oui, mais je peux le montrer, je l'ai montré dans mes écrits, ceux qui veulent se renseigner. Et en disant cela, je défends la foi. Je ne rejette pas la foi. Oui, mais vous dites je défends le statut de la foi. J'entends bien. Dans le christianisme, le christianisme a une formule qui est extrêmement importante. Je n'ose pas la dire en latin, mais c'est la foi constamment en quête d'intelligence. Constamment en quête
quaerens intellectum, en quête d'intelligence. C'est une formule qui vient du Moyen Âge. Et ils ne l'ont pas lâché jusqu'à nos jours. Alors, les pistes de sortie de la crise. Ah, les pistes de sortie, ça c'est... Les pistes de sortie... Renouer avec cette intelligence de la foi. Non, la piste de sortie, et ici je vais vous répondre, en incluant la République française, en incluant les démocraties européennes, en incluant le phénomène du conflit que nous vivons depuis maintenant d'une manière aiguë, surtout depuis le 11 septembre 2001, entre la riposte laïque, il y a un mouvement qui s'appelle en France la riposte laïque, et la riposte religieuse. Mais quelle religion? Mais quelle foi? Et ce sont ces deux choses-là qui s'affrontent, qui génèrent des polémiques qui vous donnent le vertige, je n'ose pas dire autre chose, alors qu'il reste à faire une étude approfondie sur la question du religieux lui-même, qu'il faut absolument réviser à la lumière de ce que j'ai dit au début, la construction sociale de la réalité, et non pas une réalité qui serait construite par la grâce de Dieu et par la volonté divine, qui est toujours, d'accord, la volonté divine, mais la volonté divine est toujours, partout, sans exception, médiatisée par des acteurs sociaux. Donc, ça, on ne peut pas y échapper. Une construction sociale de la réalité, oui. Et notamment celle du fait religieux. Exactement. Et là, vous avez des bouquins qui sont écrits, mais malheureusement, ils ne sont pas lus. Et quand ils sont lus par des gens qui n'ont pas été préparés à cette lecture, malheureusement, ça ne marche pas. Alors, on est coincé. Même dans les sociétés démocratiques, laïques, républicaines, tout ce qu'on nous raconte, le religieux n'est pas respecté scientifiquement pour le connaître scientifiquement et le faire connaître scientifiquement au grand public, puisque c'est le grand public qui utilise justement le recours et le secours de la religion. Car la religion continue de remplir cette fonction de refuge et de secours pour les marginalisés, pour les perdus, pour les etc., etc. Bon, ça c'est une fonction psychosociologique, et elle est là, mais ça n'empêche pas que cette religion n'est pas vraiment la religion qui devrait fonctionner. Alors, Mohamed Al-Koun, y a-t-il des conditions à réunir, un terreau, des circonstances pour l'émergence d'une nouvelle Mahda? Les conditions à réunir, c'est la recherche scientifique, les sciences sociales, les sciences de l'homme et de la société, c'est tout mon travail, mais appliqué à la question religieuse, parce que la question religieuse nous submerge, même en Europe. L'Europe elle avait levé la tête hors de l'eau au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle, et voilà qu'elle replonge à l'intérieur d'une invasion du religieux dont elle ne sait pas parler. Et elle refuse de faire le nécessaire pour apprendre à en parler et surtout donner aux citoyens les outils nécessaires pour sortir des connaissances fausses, pour sortir des consciences fausses. Ça, Bachelard nous a enseigné ça depuis très longtemps. Il y a des connaissances fausses qui sont véhiculées par la religion et par la culture qui accompagne cette religion. Et si on ne montre pas comment ces connaissances fausses viennent s'insérer dans la religion pour la pervertir, pour la rendre hors usage et pour la rendre même, lui donner un usage extrêmement dangereux, tant qu'on ne fait pas ce travail d'éducation, on va gigoter comme nous le faisons. Alors vous avez évoqué ce retour du religieux. Y a-t-il un espoir pour sortir de ce marasme actuel? Ça, c'est une tâche qu'il faut faire, mais on n'est pas encore prêt pour la faire. Parce que je répète que nous ne connaissons pas encore le secret du religieux. Qu'est-ce que le religieux? Parce que le religieux n'est jamais séparable du politique. Je l'ai dit dès le début. Mais ça, vous le dites d'une manière générale pour toutes les religions. Mais on arrive à trouver un modus vivendi entre la politique et la religion, à tout le moins.
on a trouvé des modus vivendi, mais intellectuellement, on n'a pas avancé sur l'intelligibilité du religieux et, de la foi. Et sur la foi en quête d'intelligibilité. Et en islam, maintenant, la foi n'est pas en quête d'intelligibilité parce qu'on lui a appris les rituels, la reproduction scrupuleuse, méticuleuse, est bien surveillée par la société pour qu'elle soit comme ça et qu'elle reste comme ça, eh ben, c'est fini. Donc la faire sortir. Il n'y a pas de place pour la quête d'intelligibilité. Nous en sommes là. C'est-à-dire à une religion populiste, accompagnée d'une culture populiste, qui n'a rien à voir même avec ce qu'on appelait la culture populaire, qui elle, avait des traditions et des codes culturels solides. Qui ont maintenu et nourri les sociétés pendant des siècles. Chez nous, au Maghreb, par exemple, je sais de quoi je parle. Merci, Mohamed Al-Koun. Merci en tout cas de ce tour d'horizon et de ces mots forts. Je présente vos ouvrages, celui dont vous avez parlé, Humanisme et Islam, Combats et Propositions, chez Vrin, traduit en arabe pour oui. que les. Lecteurs arabophones ah bah puissent oui, vous saisir. L'ansanat ou l'islam, madkhalun tarikhiyun naqdis, c'est une introduction historique critique. À la question humaniste. La question humaniste est capitale. Et là, j'explique comment la question humaniste, qui a connu une page brillante au Xe siècle, je n'aime pas référer parce que pour ce que j'ai dit tout à l'heure, mais quand même, eh ben, aujourd'hui, même le nom. Le concept d'humanisme, il a fallu trouver un néologisme en arabe. Parce qu'on ne peut pas dire l'adab aujourd'hui. Adab en arabe, maintenant, signifie littérature. Je continue à présenter vos ouvrages. L'ABC de l'islam, Mohamed Al-Koun, pour sortir des clôtures dogmatiques. Les clôtures dogmatiques, les nous y sommes. Les corpus officiels. Voilà, clos. Et c'est dans les clôtures dogmatiques dans les clôtures dogmatiques que la foi s'étiole. Oui, mais ça, c'est aux éditions Grancher, La pensée arabe, aux presses oui, universitaires de France. C'est un ouvrage ancien, mais qui est à la 8e édition, ce qui prouve qu'il résiste au temps. Et qu'il est toujours d'actualité. Absolument. Bon, de l'islam, la foi et la raison de Najib Ali Benabila. Ça, c'est pas moi. Ça, ce n'est pas vous, c'est justement de ce Najib Ali Benabila aux éditions Al-Qalam. Et finir avec Fatima Mernissi, Islam et démocratie, chez Albin Michel, dans la collection Espace Libre. Encore une fois, professeur Al-Koun, merci infiniment de nous avoir fait l'amitié de venir. Merci à vous de m'accueillir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon dimanche, excellente semaine et à très bientôt sur France 2. Allahumma salli. وسلم وبارك على سيدنا